J'assume sur le fait que le régime qu'ils nous font subir à base du jus du pire, le jeu est de maintenir les peurs afin d'être les moutons qui gèrent. Car nous ne sommes pas capables de comprendre leur manigance. Pourtant ceux qui souffrent sont plus nombreux que ceux qui vivent dans l'ignorance. Vous ne percevez pas correctement l'ampleur de ces phénomènes. Ils nous replacent toujours face à nous-mêmes. Un Africain qui débarque en Occident reste un immigré, mais un Européen qui dans l'Occident est un expatrié. Les différences sont dans les mots et ce mal est assidu et personne n'est décidé à faire taire les mensonges. Soit par dépit, dans l'acceptation qu'amortit notre humanité, que l'on divise en des membres. C'est à travers notre unité que se dessinent les contours de notre être ou de notre maîtrise. Celles qui font que l'on s'enlise et qu'on tourne sans savoir à quel sens se vouer, à quel point peut-on se désavouer sans s'avouer le résidu en évaluant ce qui est à perdre et à gagner. Mais nous visons-t-elle à bien à consommer les fraises de la bêtise? C'est la banqueroute pour notre nature, afin d'apprendre.